Lorsque mes parents m'ont mis dans cet avion qui m'emmenait voir mes cousins d'Angleterre, ils m'ont dit ceci. Mon garçon, tu es un être exceptionnel, tu es promis à un grand avenir. Et le plus beau, c'est qu'ils avaient raison. Andrew Ryan, permettez-moi de vous poser une simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit? Non, répond l'homme de Washington, cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican, cela appartient à Dieu. Non, dit à son tour l'homme de Moscou, cela appartient au peuple. Pour ma part,
J'ai choisi d'ignorer ses réponses. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs, où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine, où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et, à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre. Cependant, le phare est éclairé comme jamais. C'est peut-être un accident d'avion. Mais enfin, on est perdu au milieu de l'océan Atlantique. Comment quelqu'un pourrait... Il vaut mieux ne pas traîner ici. Les gros hommes arrivent. Comment peux-tu savoir si quelqu'un vient ici? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Je le sais parce qu'une bâtisse ferme les sols. Et à moins que le bazar là-haut ait pété et qu'il soit en train de couler bien gentiment, ça veut dire qu'on a de la compagnie. Encore une petite minute. La bathysphère arrive. Johnny, la sécurité s'est déclenchée partout. Reste pas là, vite! Je savais pas que c'était interdit. Ne faites pas de mal. Laissez-moi partir. Je vous donne mon arme. Vous pouvez... Prenez cette radio à Hong Kong, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment vous avez pu survivre à cet accident d'avion. Enfin, les voies du Seigneur sont impénétrables. Je m'appelle Atlas, et j'ai bien l'intention de vous garder en vie. Allez, continuez. Il va falloir vous faire remonter. Respirez profondément et sortez de la bathysphère. Ne vous en faites pas. Je ne vous lâche pas d'une semelle. Il va falloir la tirer hors de sa cachette. Mais pour ça, vous devez me faire confiance.
Faut pas le coup de se cogner un protecteur. Lâche! T'as toujours été lâche. Tu t'en sortiras pas mieux avec ton gardien de métal, ma petite. Tu finiras par boire la grande tasse. Regarde, monsieur P. Je vois de la lumière qui sort de son ventre. Attends, il respire encore. Tout va bien. Je sais que ce sera un ange bientôt. Faites une...
contrôler. Cet endroit en asile de fous. Au début, tout se passe bien. Cependant, si on exagère, le cerveau ne suit pas. Alors on se met à changer, à évoluer. Et un beau jour, votre voisin se transforme en monstre terrifiant. Avec votre arme électrique.
Encore une nuit de réveillon seul. Désespéré seul. Je suis sortie. Et toi, t'es coincé à Héphaïstos pour ton boulot. Imagine ma surprise. Je crois que je vais boire un autre verre. À la santé de Diane McClintock, la fille la plus tarte de Rapture. Assez idiote pour tomber amoureuse d'Andrew Ryan. Et assez folle pour... Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe?
au ministre qu'il devra attendre. C'est le mari. Yeah, Manon, un sinistre. Seuls tous ces crétins peuvent parler. Pour eux, je suis un monstre. Qu'ils aillent au diable! Je l'ai trouvé! Arrêtez-la! Scélérat vous envoie. Serait-ce le loup du KGB? Le chacal de la CIA? Écoutez-moi bien. Arthur n'est pas une épave que l'on peut piller à l'envi. Et Andrew Ryan n'est pas un écervelé mondain qui se laissera molester par le gouvernement. Bien. Au revoir. Ou Tazedania, comme vous préférez. Don't get